On nous dit, le bonheur c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. On a une vision peut-être un peu trop triste de la politique, un peu trop caricaturale, et on rit plutôt pas mal dans ce métier. Alors si on vient pas de côté, si on essayait autre chose. Salut à tous, on est off ce soir, mais on vous a préparé une petite surprise. Du coup, JC qui monte nos vidéos YouTube et qui les découpe pour vous, vous a préparé un petit montage de nos meilleures interviews, de nos meilleurs sujets. Donc vous allez pouvoir voir ça tous les lundis soirs maintenant. Vous êtes partis pour 2 à 3 heures de programme. Merci de nous suivre. Message personnel à Manuel Valls, c'est son 49.3. Motion de censure populaire. Ok, 1, 2, 3 et 49.3. On se donne le droit de te mettre la figure. Cette motion de censure, le peuple s'organise. Écoute son cœur et sa voix. Censure populaire est fière d'écrire ses lois. Nuit Debout ne veut pas d'une marque, ça c'est un truc dont on a déjà parlé ici. Avocat Debout a lancé une pétition en ligne, enfin pas une pétition, un formulaire que vous pouvez télécharger, remplir et envoyer à l'INPI parce que donc l'INPI a reçu une demande de dépôt de marque de Nuit Debout. En gros, c'est fin avril, 3 demandes ont été déposées auprès de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. Mais par qui ? Pour enregistrer la marque. Donc 2 personnes et une boîte de production. Qu'on ne note pas, qu'on ne nomme pas encore, mais on pourra vous en dire bientôt plus. Donc il y a une lettre que vous pouvez télécharger facilement en ligne. Vous allez sur le Twitter ou sur le Facebook d'Avocat Debout. Vous allez voir, il y a un lien à télécharger. C'est à remplir, à envoyer malheureusement en recommandé accusé réception. Mais il faut qu'on le fasse parce que sinon ça veut dire que tout le monde pourra à tort et à travers faire des slips, des sucettes et des t-shirts Nuit Debout. Bon entendeur. Prochain numéro. Mais nous, on n'a pas eu de t-shirt Nuit Debout, en tout cas. En tout cas, on n'a pas eu l'argent qui allait avec. Moi, j'aime bien cette période. J'ai l'impression qu'on ne se connaît pas, mais qu'on s'aime tous, qu'on est tous ensemble. Je trouve ça bien. Bref, finalement. Vous êtes trop dégueulasse avec Pierre. Sauvons Gâteuse. On vous montrera que le second degré fonctionne pas mal, en particulier dans le Sud. Vous verrez, il y a un sujet tout à l'heure. 11 collégiens blessés à Saint-Malo après l'intervention des forces de l'ordre. En gros, la police est intervenue ce matin. Il y a eu une manifestation donc, au collège de Surcouf à Saint-Malo. Vous êtes fermé. Les parents d'élèves et les élèves manifestaient donc, contre la fermeture de cet établissement qui a été décidé pour la rentrée 2017. Donc il y a une centaine de personnes qui s'est retrouvées devant le bâtiment à 7h30 dans une ambiance bon enfant apparemment, dites les gens. C'était très calme, les enfants chantaient, les enseignants parlaient aux enfants, etc. Et vers 10h, une petite dizaine de policiers a chargé. Bienvenue dans notre monde. Et donc apparemment, ça a choqué pas mal de monde. On ne s'attendait pas à cette violence. Professeur de maths au collège, donc c'est Sylvie Josse qui dit ça. Ça s'est passé tellement vite, on n'a rien compris. Il n'y a eu aucune sommation, comme souvent, malheureusement, ce qu'on reproche souvent. Ils ont bousculé tout le monde avec beaucoup de force. Les élèves étaient super choqués. On leur explique d'habitude que la police est là pour les protéger, donc ça n'avait aucun sens pour eux. Donc il y a 11 élèves qui auraient été légèrement blessés, certains parents qui ont décidé de porter plainte. On encourage toutes les personnes qui sont victimes de violences policières à porter plainte contre la police, parce que c'est comme ça que les choses bougeront. Puis où on en est si on se fait charger les enfants, quoi. On parle de collégiens, on parle de gamins qui ont entre 10 et 13 ans. C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limite. Non. À quand les attaques clairement, dans les la police n'a plus de limite. 49-3 est un demi de démocratie. 49-3 et tu deviens électron aussi. Si le débat n'a pas lieu, les forces frappent. Aujourd'hui, on manifeste pour notre avenir. On passe la nuit dehors dans le but de choisir. Le bien champagne à sabrer par le peuple et pour Ariane. 49-3, on se donne le droit de mettre en figure cette motion de censure. Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Censure populaire est fière d'écrire ses lois. Les parents de Romain portent plainte contre la police. Ah oui. Ça, c'est Romain qui a été blessé à la manif de jeudi 26 mai. Par une grenade. Qui a eu une grenade et qui s'est clairement fait ouvrir le crâne par une grenade. Et qui a été en plus molesté dans le camion des pompiers, paraît-il. Mais bon. Donc on a des gens qui ont filmé ça chez nous, donc quelqu'un qui est là d'ailleurs. C'est des vidéos assez trash. Donc Romain est dans le coma. Son état est encore sévère. Grave. Donc ses parents décident de porter plainte contre la police. Donc il a un œdème cérébral. Et l'IGPN est déjà sur le coup depuis
depuis jeudi dernier. Le problème, c'est que si on attend qu'il y ait quelqu'un dans le coma ou un mort pour lancer une enquête, alors qu'il y a des dizaines, des centaines, pour pas dire maintenant, franchement, des milliers de cas de violences policières en France. Donc il y a aussi évidemment toujours la pétition qui existe, un collectif de violences policières qui récolte tous vos témoignages, certificats médicaux, photos, etc. avec vos coordonnées. Il y a Legal Team ici aussi. Ouais. Et il y a Avocat Debout qui préparait quelque chose aussi. Je crois qu'il va y avoir à un moment donné une plainte collective, une saisine du défenseur des droits. Mm. Donc n'hésitez pas à faire passer vos images à ces gens-là. Vous trouverez facilement les adresses e-mail en tapant pétition ou recueil violence policière Paris ou France. En marge d'une visite d'Emmanuel Macron, parce que nous on aime bien l'accueillir. Hier à 19h, il y avait des gens à Gare de Lyon. On aime bien escorter Emmanuel Macron. C'est une nouvelle lubie. Nouvelle c'est, mode. C'est marrant, dès qu'on nous dit valse Macron, Medef, on a envie d'y aller. C'est fou, hein. Et de crier très fort. Et de... Monomaniaques. Ils sont monomaniaques. Ils sont fous. De les prendre en otage, finalement. C'est ça. les violents manifestants prennent en otage le gouvernement. Ces manifestations tellement tueries, au mépris de ce samani dans milliardaire, minorité manipulée mais sans douceur, négligée, dissociée, au crime et oubliée. Ouvrez-vous, suivez-nous, lissez-vous, nous rêveurs, écrivons ensemble des rêves du monde d'après. Du monde d'après. 49-3, on se donne le droit de mettre la figure, cette motion de censure, le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Censure populaire est fière d'écrire ses lois. À Grenoble, on a 1400 opposants selon la police, 3005. Franchement, ça me fait tellement marrer à chaque fois. Ça fait des années qu'on ne sait pas comment les gens arrivent à compter. Quoi. J'ai vu un truc génial sur RTL. Il y a Charline Vandenacker qui faisait justement un récap d'une manif en Belgique. Et là, c'était fabuleux parce que je crois qu'il y avait 20 000 selon les manifestants et 35 000 selon la police. Moi, je veux aller vivre en Belgique, en fait. C'est tellement mieux quand ça se passe comme ça. Chez nous, c'est impossible. Montpellier, donc on a eu les images d'une manif qu'on adore, qui est donc, on appelle ça l'ironie syndicale et sociale. Ils ont fait une manif de droite pour montrer un peu la diversité. Donc on va vous montrer les images et on revient tout de suite après. Cuisine. 2200 selon la police et 8000 selon les organisateurs. J'adore ce pays. On a des problèmes en maths. Je pense qu'il faut revoir le programme de CP en maths. L'éducation, c'est la clé. Hein. On le dira jamais assez. Alors. Demain, on fera un cours sur le second degré pour tout le monde. Hein. On rattrapera on les On passe buzz. Au numéro 2. Manifestation blocage devant la tour Bolloré. Ah, étonnant encore. Il y a des noms qui reviennent souvent comme ça. C'est marrant, on comprend pas. Ouais. Apparemment, le problème, c'est que donc la Socfin, qui est une holding luxembourgeoise, dont il y a eu un super sujet dans spécial investigation sur Canal il n'y a pas longtemps, qui vous explique ça très bien. Vous trouverez ça en replay sur Internet. Donc 39% de cette société sont détenus par Bolloré. De palmier à huile. En gros, c'est l'huile de palme. Bolloré fait de la thune sur l'huile de palme. Et voilà. Donc Bolloré fournit Nutella, qui a de plus en plus de mal à vendre des pots parce que les gens commencent à comprendre que l'huile de palme, c'est de la merde. D'ailleurs, dernièrement, il y avait une campagne chez Nutella. Ils vendaient, pour un pot acheté, il y avait un mug offert. Pour vous dire à peu près à quel point ils étaient dans la merde. Pour manger ton Nutella dans un mug, ça donc fait ça veut dire qu'on ne peut pas tout régler par le fait que les consommateurs deviennent vigilants. Il faut aussi de la législation. Mais les gens commencent à se renseigner, à comprendre. Donc on arrive à s'éduquer les uns les autres. C'est vachement bien. Et l'inventable, tu limites nos libertés. 49-3, on va sortir au Qatar. Tu
tu nous gâtes, tu nous gâtes, la gastro sera pour toi. 49 ans, on se donne le droit de mettre la figure cette notion de censure. Le peuple s'organise, écoute de son cœur, il savoir. Censure populaire. Heinz Weidreifer, Jundzik, Sieben, 8-9-10. Tout le monde est en boucle là-dessus toute la journée pour ne pas parler des blocages de la loi travail. Donc on est complètement solidaire avec vous. Mais la crue est avec nous finalement. On essaie de parler d'autre chose. Bah, je sais pas, parce que du coup, on a du mal aussi un peu à se mobiliser à cause de ça. Je pense que s'il faisait 10 degrés de plus, il serait vraiment dans la merde en France en ce moment. Donc on va faire des chants pour le soleil aussi. Alors, vous savez, quand il y a des intempéries comme ça, quand il y a des crues, il y a des plans qui se mettent en route, comme le plan Orsec. Donc là, ce qui est assez drôle, c'est que Manuel Valls aurait apparemment activé jeudi le plan de la continuité du travail gouvernemental, donc qui fait partie du plan Orsec, lorsque la SNCF dépasse 4,50 m. Là, on est à 6 m, je crois, aujourd'hui. Du coup, l'objectif, c'est organiser le déménagement de l'Élysée et des ministères. Je crois qu'il y a 45 bâtiments qui sont, ciblés par ce truc. En gros, l'Élysée déménagerait au château de Vincennes. Ça nous a fait quand même sourire. Du coup, ça voudrait dire qu'on pourrait peut-être récupérer l'Elysée. Si vous vous en servez pas, nous, on veut bien. Peut-être qu'ils ont du chauffage là-bas. Moi, je pense qu'on pourrait, on serait bien à l'Elysée. Je trouve qu'il y aurait des toilettes déjà. Tu sais, les toilettes qu'on attend depuis le 31 mars, c'est ce vrai. Serait bien. Ce serait pour pas la mal. Cantine, je pense que les cuisines seraient super sympas. Aussi. Ouais. Et d'ailleurs, clin d'œil de l'histoire, c'est là que le général de Gaulle avait envisagé d'installer la présidence de la République en 58. Et donc c'est là que Hollande avait organisé l'un de ses derniers meetings de campagne en 2012. Ouais, c'est vrai. Peut-être que ça va lui permettre de se souvenir de ses engagements de cette époque-là. On lui souhaite. Sans doute salopard, saignant le salariat. Tu imposes ta tyrannie au code du travail. Prends l'État contre la violence de l'État. Unité contre ton monde ultra-libéral. Contre ta police et ton 49.3. On conteste, on se mobilise et on vaincra. 49 fois, c'est comme le droit de mettre dans la figure cette notion de censure. Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Censure populaire est fière d'écrire ses lois. Allez, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. 49 fois, on se donne le droit de mettre dans la figure cette notion de censure. Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Bruno qui est caméraman pour France 3 Bretagne, qui raconte les véhicules de police ont serré les journalistes et les manifestants sur le bas-côté. Les forces de l'ordre se sont dirigées vers les jeunes. J'ai vu un confrère photographe se faire matraquer, puis quelques instants après se retrouver à terre. La police a cherché à disperser les manifestants à coups de matraque. Nous nous sommes insurgés auprès des forces de l'ordre de la violence de leur intervention. Les policiers très énervés ont brutalement écarté plusieurs d'entre nous. Un journaliste qui filmait s'est vu attraper, on parle d'une femme, attrapé vigoureusement et éjecté. Je crois qu'on a peut-être une photo, mais Clément a dû la passer déjà. Et donc voilà, tout le monde prend des coups de matraque et on commence à charger les gens en voiture. Est-ce qu'il va falloir un mort ? On peut en parler de l'absurdité de la scène quand même. Est-ce qu'il va falloir un mort pour qu'on réfléchisse aux problématiques qu'il y a ? C'est-à-dire soit les ordres que reçoivent la police, soit leur fatigue aussi à cause de l'état d'urgence. Je veux pas dire que tous les flics sont des espèces de pervers qui déchargent leur agressivité sur les manifestants, mais je pense qu'ils sont crevés déjà parce qu'il y a eu mesure sur mesure et qu'ils sont mobilisés en permanence. Et je pense qu'il y a des vrais connards aussi parce qu'il y a des vrais connards partout et que des vrais connards avec des matraques, des flashballs, c'est quand même un problème. Pour ma part. Donc il serait temps qu'on se penche véritablement sur la question au lieu de faire les gros bras en disant c'est l'État qui a raison, un État policier on n'en veut pas et on n'a pas voté à gauche pour ça. Discuter, quoi. Merci. Le peuple s'organise, écoute son cœur et sa voix. Censure populaire et fière d'écrire ses lois. Et je suis avec mon héroïne de la semaine. Je suis avec Violetta. Comment ça va, Violetta ? Ça va bien, ça va. Violetta, les gens te connaissent, mais comment ils te connaissent ? Bon, je crois que les gens ils me sont connus pour la manif le 26, où j'étais fâchée, où un policier il m'a dit « salope », et j'ai répondu, quoi. J'ai répondu parce que je venais de voir les gars qui s'est fait lancer la grenade. Et voilà, j'étais en colère, j'étais très en colère pour tout ce qui s'est passé. Et voilà, c'est la colère qui m'a pris. Mais s'il y a quelque chose que moi je regrette en tant que femme,
c'est avoir traité la mère des policiers de salopes. Parce que moi, en tant que femme, je ne peux pas rendre la monnaie à notre femme. C'est, pour moi, c'est, c'était mon regret, quoi. Jusqu'à maintenant. Et tu vois ? Et bon, c'est bien si, si j'arrive à m'expliquer devant les gens, quoi, aussi. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Violetta. Elle me disait, en fait, je ne regrette pas de m'être mis en colère, mais on a un problème avec les insultes, en fait. Le dictionnaire d'insultes, si on enlève tout ce qui est misogyne, homophobe et raciste, il n'y a plus rien dedans. Et du coup, il va falloir avoir une commission réinvention du dictionnaire d'insultes, je pense, bientôt. Il y a du travail à faire. Et, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé, toi ? C'est un gamin, finalement, le policier qui t'a un peu traité. Non, c'était pas un gamin, c'était un policier que j'ai essayé de passer parce qu'après la grenade et tout ce qu'on a vu, moi, j'ai essayé de sortir pour retrouver ma copine. Et là, en sortant, les gars, ils ne me laissent pas passer et j'essaye de les pousser, ils me laissent passer. Mais en passant, ils me disent salope. Voilà. Ah oui, carrément. Carrément. Parce qu'en fait, les gens disent oui, mais au début de la vidéo, elle a dû l'insulter dans tous les sens, non, on n'a pas le non, début. Non. J'ai pas dit que ta mère, c'est une salope. Le reste, c'était de tout ce que j'ai dit. Il y a un moment, je regarde à côté et je vois que quelqu'un qui filme. Mais j'avais commencé déjà à dire des choses et ce policier, il me parlait doucement. Entre les dents, tu vois. Oui, pour justement, on n'entende pas ce qu'il te disait. Voilà, ouais. Et il me disait, il continuait à me dire des gros mots en arabe, parce qu'il croyait que j'étais arabe. Ah bon ? Quelque chose comme ça. D'accord. Et son chef, quand il a vu qu'il avait quelqu'un qui filmait, il l'a poussé et j'ai continué à lui dire pourquoi tu m'as traité comme ça. Parce qu'on ne peut pas, je l'ai dit, on n'a pas le droit de manifester. Vous savez, viens manifester les Igouites, voilà quoi, c'est, voilà. Toi, tu étais venue à Paris exprès pour la manifestation ? Non, je suis quelqu'un des militants politiques en France et je suis venue pour faire quelque chose au niveau de mon parti. Et j'ai dit, je vais manifester le 26 aussi, quoi. Mais j'ai fait partie de la nuit de vous de La Rochelle. Ah ! Voilà. Bienvenue. Ouais. On a commencé avec les camarades qui sont là. Salut ! Ouais. On a commencé la première nuit de vous, on a commencé la nuit de vous, quoi, à La Rochelle, qui aujourd'hui il est bien installé parce qu'ils sont construits avec des palettes, voilà. Hop. Nuit debout, La Rochelle, et parmi nous. Voilà. 31 mars. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on est dans un endroit assez protégé. Il y a du monde à La Rochelle, oui, avec Nuit debout. Oui, et ça fait 3 jours que ça a commencé l'hôpital de vous aussi. À l'intérieur de l'hôpital de La l'hôpital Rochelle. L'hôpital a fait un blocage de l'hôpital de La Rochelle, c'est ça y a Non, ce n'est pas un blocage, c'est des gens qui sont mis des tentes, des gens qui travaillent à l'hôpital, qui sont commencés la nuit debout à l'intérieur de l'hôpital. Ah, la nuit debout dans l'hôpital. Occupé, ça, c'est joli. Ils ont occupé l'accueil de l'hôpital en plantant leurs tentes et en poursuivant en fait, un petit peu la même logique pour sensibiliser et pour faire une présence aussi comme on fait à Nuit debout. Quoi. Mais c'est bien parce que ça crée des conversations, je pense que les gens... En plus, l'hôpital, c'est respectable. Voilà, ça veut dire, c'est ça, c'est une convergence de lutte, sans parti politique, sans rien. On laisse les partis dehors et on fait quelque chose pour les citoyens, pour nous. Quoi. Juste nous tous ensemble. Ouais. Voilà. Et toi, ton histoire, c'est parce que, t'as parlé du Chili, t'as parlé de Pinochet dans la vidéo que tout le monde a vue. On imagine que, justement, comme tu le disais dans la vidéo, t'en as vu d'autres, des systèmes un peu répressifs. Bon, j'ai 54 ans, j'avais 10 ans à le moment de les coups d'État. Ça veut dire que toute ma jeunesse, il a passé en dictature. Voilà, j'ai commencé à militer à mes 15 ans dans un parti politique chilien, qui s'appelle le MIR, qui c'est le mouvement de gauche révolutionnaire. Mais tu veux dire que sous Pinochet, tu avais déjà à 15 ans, tu étais militante politique. Oui. Tu prenais le risque de t'impliquer dans des partis qui s'opposaient à Pinochet, alors qu'on sait que Pinochet, c'était quand même un système hyper répressif. Oui, mais il faut se sortir, il faut lutter. Tu veux dire que c'est quelque part, finalement, quand on n'a plus rien à perdre, on a besoin d'espoir et on finit par devenir cet espoir. C'est-à-dire que pour se prouver qu'on peut changer des choses, on commence par le faire soi, quoi. Je crois que j'ai dit quelque chose dans les trucs avec les policiers. J'ai dit, il faut perdre la peur. Je crois que quand on perd la peur d'un policier, même si elle te tape, on a des lois, on a des choses, des acquis, des ouvriers, de la classe travailleur, qu'on est en train de les perdre. Et moi, je vais me battre avec ça aussi, quoi, avec le racisme, avec tout ce que ça passe, quoi. Comme j'ai lutté. On vous met la vidéo. Jamais je ne porte pas. Regarde combien vous êtes.
Combien vous êtes pour la poignée des gens pour ça? Hein? Je suis salope. Et toi, de qui, toi? Ta mère, c'est une salope. Ouais, j'ai peur, j'ai peur. Non, pourquoi il m'a pété des salopes? Il m'a pété des salopes. Hein? Tu vas me taper maintenant? Pourquoi je vais dégager? Parce qu'il faut que je la ferme, moi. Hein? Non, mais pourquoi il me traite des salopes? Pourquoi il me traite des salopes? Hein? Vous avez insulté qui, mon collègue à plusieurs reprises, madame. C'est lui qui m'a dit salope. Vous avez insulté la police. C'est la police qui nous protège. Hein? C'est vous, la police qui nous protège. Partez chez vous. On n'a pas besoin de vous ici. On n'a pas besoin. Vous avez bien manifesté le 18. La police, il a manifesté parce qu'on ne l'aime pas. Et quoi? Et nous, on n'aime pas la loi Connerie. Et quoi? Hein? Et je ne suis pas salope. Vous avez raison, madame. Vous pouvez partir. Si ça vient de la bouche des flics, bien sûr, ça ne m'étonne pas. Les républicains, c'est vous. Je n'ai pas peur de vous. Moi, j'ai vécu la dictature de Pinochet. Vous, pas peur, moi. Hein? Hein? Et toi, tu m'as dit salope. Ouais, et toi, tu m'as dit salope. Hein? Viens, je vais la fermer, je vais partir, moi. Parce que j'ai peur de toi. Hein? J'ai peur de vous. C'est ça, il faut que les gens y perdent la peur. On ne va jamais réussir. Et ils me traitent à une femme de salope. La police. Bravo. Et du coup, tu lui dis, d'ailleurs, dans les images, tu lui dis partez, partez, partez de la manifestation, en fait, c'est ça? Oui, pour moi, c'était ça, c'est partez, parce que moi, j'ai manifesté à Paris, j'ai habité Paris pendant les années 80. Aujourd'hui, je viens des années après à manifester à Paris et je trouve plein de policiers, quoi. Pour moi, c'est de la provocation, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on a soi-disant le droit de manifester, mais on n'a pas le droit. Parce que si on avait le droit de manifester, on n'aurait pas des centaines de cars de CRS, qu'on parle de centaines de cars. On a vu des trucs pendant la manifestation aux Invalides, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues de ma vie. J'ai vu des chars, des tanks, des trucs de guerre. J'avais l'impression que c'était, c'était justement, tu vois, le Chili des pays étrangers, mais on n'a jamais vu ça en manifestation en France. Voilà. Et ça, moi, je les vois parce que je reviens après beaucoup d'années à manifester, je vois ça. Et ça aussi, ça m'a pris, c'est tous mes souvenirs de Chili qui sont venus, quoi. Toute la résistance que j'avais au Chili, comment j'ai milité. Et voilà, ça a sorti la Violeta de Chili, quoi. Mais est-ce que ça te fait du bien aussi, ce mélange des genres, cette mixité, cette convergence des luttes? C'est jeune, c'est moins jeune. Est-ce que ça te fait du bien? Moi, je suis hyper contente parce que nous, on a commencé la nuit de vous à La Rochelle avec des gens comme lui, tu vois. Moi, j'étais enchantée parce que c'est des gens qu'on ne voyait jamais dans les manifs, on ne les voyait jamais dans les trucs politiques. Mais ils sont là. Et c'est pour ça l'important de la nuit de vous, quoi. C'est la convergence, je crois, que des citoyens envers ces droits. Et moi, j'espère que la nuit de vous, il va continuer, qu'il va avoir une longue vie de convergence de lutte aussi. C'est ça ton message, finalement? Ah, c'est que c'est international et qu'on est tous ensemble? On est tous ensemble parce qu'on a tout quelque chose à dire. C'est magnifique, quoi. Toi, tant que ça, quoi. Venez, participez, parlez. On va tout dire, quoi. Ensemble. Ensemble. Ensemble, pour la convergence des luttes. Merci Violeta d'être venue nous voir. On est contents. C'est un peu court, on aurait voulu faire plus, mais elle part demain. Tu pars demain, hein? Ce soir. Ce soir. Oui. Moi, c'est Zoé. Bah, moi, je joue dans la rue. Pour moi, la musique, c'est pour faire rêver les gens et pour dire autre chose aussi. Et voilà, moi, je joue à ma sauce. C'est pas dans les normes, c'est pas comme ça. C'est ce que j'ai envie et quand je veux. Voilà. Thank you.
bonsoir Nathalie. Bonsoir Mehdi. Voilà. Donc ce soir, c'est le premier JT. Et comme le 38 mars, quand un DV debout a démarré, ça a démarré un peu blablabla. Bon, c'est pareil pour ce soir. Voilà. On va commencer un peu blablabla. On bricole. Et puis, au fur et à mesure, ça va s'améliorer. Parce que, voilà, parce qu'on le veut, on veut que ça s'améliore quand même. Bah oui, et puis c'est comme ça qu'on apprend. Hein. Salut, on est de retour sur le plateau de TV Debout. On est avec Marie-Catherine et Philippe et Christian qui sont de Clamart Debout. On est content de recevoir un peu aussi des gens qui ne sont pas que de la place de la République qui viennent nous voir, qui nous racontent un peu comment ça se passe là-bas. Marie-Catherine, comment ça se passe de votre côté, vous ? Bien, nous, nous sommes donc de Clamart Debout, Nuit Debout Clamart. Et en fait, nous avons fait déjà deux Nuits Debout et un Lycée Debout. Vous avez commencé donc, quand ? On a commencé début mai, exactement 3 mai. L'idée est partie du collectif pour le retrait de la loi travail, donc qui s'est créé à Clamart, c'était au mois de fin février, début mars. Et après une réunion publique classique où on avait invité les gens à venir, on a décidé de faire des Nuits Debout. À l'origine, donc le collectif pour le retrait de la loi travail de Clamart, qui est constitué de militants de la CGT, l'Union locale CGT, du PC, d'adhérents critiques du Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du NPA, de Ensemble, du Parti de gauche, de Clamart, enfin c'est tout. Donc il y a aussi des noms encartés, Nuit Debout c'est souvent aussi des gens qui n'appartiennent pas à des partis ou à des groupes. Oui, alors là, disons, je parle donc du collectif au départ, et en effet, lors de la première réunion publique, il y a des gens qui sont venus à cette réunion publique et qui n'étaient pas en effet adhérents donc une organisation politique ou même syndicale et avec lesquels on est resté en contact. Et après, à quelques-uns donc de ce collectif, on a lancé l'initiative Nuit Debout pour élargir donc le cercle et parler aussi d'autres choses. On a depuis 2 ans donc un maire de droite UMP républicain qui fait une vraie politique. En même temps, il y en a un président de gauche. Oui, non, mais en effet, c'est pas voilà. Mais localement, là, ça change beaucoup de choses puisqu'il veut faire détruire une cité de 700 logements sociaux pour mettre des logements de luxe à la place. Ah oui, donc c'est même pas pour reconstruire des logements sociaux. Au lieu de 100% de logements sociaux, on n'aurait que 50%, mais il veut plus en construire ailleurs dans la ville. Donc ça serait une perte de logements sociaux. Mais il a donc il est largement prêt à payer l'amende du gouvernement parce qu'il se rend compte que il va gagner plus d'argent finalement à vendre des beaux privés un peu luxe. Ben, on pense que oui, parce que Clamart est à 27% de logements sociaux, donc est juste au-dessus du minimum. Et s'il détruit ses logements et qu'il n'y a pas d'autres logements construits, pas assez de logements sociaux construits dans les autres quartiers de la ville, on risque de tomber en effet en dessous de 25%. Donc on pense que oui, il est prêt. Pour lui, je pense que c'est vraiment pas un problème. Après, il a aussi décidé donc de vendre la place de la gare de Clamart. Donc, on va en reparler à propos de ce qui se passe demain à la gare de Clamart avec le Grand Paris Express. De vendre la place de la gare de Clamart pour faire des immeubles privés de luxe aussi. Donc, voilà. Ça paraît très la privatisation. Mais raconte. Non, mais parle dans le micro. Alors, hein. Il vend la place de la gare. C'est-à-dire que c'est très très surprenant pour les gens. C'est comme si je disais, on va vendre cette rue. C'est de l'espace public normalement. Oui. Alors, il y a une procédure qui est honteuse mais légale, ça s'appelle désaffectation. Donc, on met des palissades tout autour, donc personne ne peut y aller.
Ensuite, on fait venir un huissier un mois après. On constate que personne n'y va. Donc, c'est désaffecté. Ensuite, on déclasse, c'est-à-dire qu'on le sort du patrimoine public de la ville. Ce n'est plus une rue publique. Et une fois que ce n'est plus une rue publique, c'est comme quand une mairie possède un immeuble. Elle peut le vendre. C'est du patrimoine privé de la ville. Et ensuite, on le vend. Moi, donc, à la place de la place de la gare, il y aura un immeuble sur la place. Déjà, pour la gare, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est un accès aussi. Si on fait des places vastes devant les gares, c'est parce qu'il y a un besoin de circulation des usagers et des citoyens. Mais moi, je viens de Nice, par exemple, et Christian Estrosi a vendu l'église russe à une personne privée russe, c'est-à-dire qu'un milliardaire russe a acheté l'église russe de Nice, qui est un bâtiment historique qui existe depuis un siècle et demi. Et donc, il a vendu. C'est assez hallucinant. Mais ça passe comme ça à la trappe, on oublie. C'est comme si, par exemple, on se disait, on a décidé à la mairie de Paris de vendre la Tour Eiffel. Donc, on va la vendre à des Chinois. Et du coup, ce sera privatisé. Ça paraît quand même dingue, parce qu'on a l'impression que ça nous appartient. C'est dingue. Et là, la procédure, il y a eu une enquête publique, hein, c'est obligatoire. L'an dernier, il y a eu une enquête publique. Il y a eu 300 personnes qui sont allées dire que ça n'allait pas, enfin, qu'ils n'étaient pas d'accord. Mais le commissaire enquêteur a dit OK, avis favorable, quelques remarques, bon, voilà. Il y a combien d'habitants à Clamart ? 53 000 habitants. Et vous êtes combien à vous insurger contre ça ? Est-ce que les gens, en fait, ont conscience de ce truc-là ? Est-ce que les gens ne sont pas trop occupés, trop fatigués pour... Un tiers en gros, enfin, c'est-à-dire un tiers continue à penser que le public c'est important, mais pas plus d'un tiers. Et est-ce qu'une action en justice, par exemple, des citoyens pourrait changer? Il y a en cours des recours. Enfin, il y a des recours en cours contre ce déclassement, mais c'est long et donc on ne sait pas. Puis c'est pas suspensif, donc il continue son opération. La place de la gare, il l'a pas encore vendue en fait, mais il va la vendre à ICAD. Il a choisi le promoteur pour faire donc des immeubles. En plus, bon, je ne parlerai même pas du style, mais enfin ça c'est un autre problème. En fait, il veut transformer Clamart en deuxième Plessis Robinson, qui est une ville voisine. Tout le monde dit quand il va au Plessis Robinson, je vais à Disneyland, enfin vous voyez un peu le genre quoi. Donc, mais ça c'est un autre, je dirais, le goût, les couleurs, c'est une autre question. Et alors le dernier projet qui vient de sortir, on a un stade en centre-ville, en bordure de forêt, parce que Clamart a la chance d'être couvert au quart de la superficie de la ville, c'est la forêt de Meudon, le bois de Meudon, donc on est bien situé, il n'y a pas de problème. Et donc ce stade, il veut le transformer en stade indoor, avec un bowling, avec un restaurant panoramique avec vue sur Paris, des commerces de sport. Il va faire un mall quoi, comme aux États-Unis, ces espèces de gros complexes, on voit plus la lumière du jour et où il y a dedans, tout, de la pédicure, tout à l'intérieur, à la toiletterie pour chien. À l'intérieur. Dépensez votre argent, celui que vous ne gagnez pas, allez-y. 50 millions d'euros, ça devrait coûter. Et oui, comme ça, il y a des équipes qui pourront venir s'entraîner à Clamart si Paris a les Jeux Olympiques en 2024. Alors là, c'est vraiment trop, quoi. Voilà. Bah, disons qu'on a vu un peu les dangers aussi des constructions et des... je vais essayer de passer la parole un peu à... Oui, donc en fait, là, demain, on a une manifestation très intéressante et très importante à Clamart. Il y a l'inauguration du projet Grand Paris Express. Donc ce projet Grand Paris Express, c'est la première gare qui va être creusée, c'est celle de Clamart. Donc il a été décidé par la Société du Grand Paris de faire l'inauguration à Clamart. Bon, alors en fait, nous on a trois raisons pour s'intéresser à ce Grand Paris Express. Le premier aspect de la chose, c'est que la population des villes comme Clamart, Malakoff, Vanves, enfin ces villes-là, considèrent que il est très intéressant d'avoir un nouveau transport en commun. Donc bon, on peut pas nier ça du tout. Et donc il s'agit pas de saboter cette fête en disant qu'on est contre le transport en commun. On est pour. Bon. Manuel Valls vient vous voir d'ailleurs. Alors, c'est ça. Rappelez un truc que j'ai reçu aujourd'hui. Alors, c'est ça. Alors, donc, deuxième aspect, c'est que on a donc, comme elle vient de le dire, un maire très à droite, et en particulier, donc, parmi ses projets pharaoniques, il y a évidemment. Comment votre maire ? Jean-Didier Berger. D'accord. Il on y a. Retienne son nom. Oui, oui. Donc, le deuxième aspect, c'est que les gens vont venir distribuer des tracts de collectifs, d'associations. Lors de cette manifestation, mais pas contre le transport, contre les projets de la ville, donc ce stade, raser des immeubles HLM, construire, enfin accaparer la place de la gare, etc. Donc ça c'est le deuxième aspect. Et le troisième aspect, c'est quand même que la conjoncture nationale fait que, avec les Nuits Debout, avec la loi travail, on a Emmanuel Valls qui vient parader avec un très beau spectacle. Hein. Il y aura un spectacle avec des chorégraphies faites par des pelleteuses, avec des danseurs sur pelleteuses. Ils ont tellement d'argent à dépenser en ce moment. C'est ça.
évidemment, c'est pas ni, ni Vinci ni Bouygues qui va financer ce spectacle. C'est les impôts, quoi. Évidemment. Bon, évidemment. Et donc, ce troisième aspect, et en plus, la, l'ultime provocation, c'est Manuel Valls qui vient. Bon, donc voilà. Bon. Alors, il est très, très occupé, il se déplace beaucoup quand même. En alors, on se demande quand est-ce qu'il travaille d'ailleurs. Je vous signale, parce que c'est la télévision et qu'il y a des gens qui écoutent, trois jours plus tard, il y a un bâtiment d'Orange à Châtillon. Moi, je travaille à Orange, dans un bâtiment à Châtillon. Et il va y avoir l'inauguration de ce bâtiment qui est nouveau, 3500 salariés, avec François Hollande. Ah, 18h à Châtillon, avenue de la République, mercredi, profitez-en. En fait, si vous voulez voir François Hollande, créez une entreprise du CAC 40 et vous le verrez régulièrement. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. François, si tu nous regardes, comment quelqu'un pourrait vous aider de loin et en ligne? Est-ce que vous avez fait une pétition en ligne? Est-ce que Il y a une pétition en ligne. Je pense, de toute façon, il y a un site Nuit Debout Clamart. Ouais. Donc, le mieux, c'est de poser la question directement. Facebook Clamart, oui. Il y a un Facebook Nuit Debout Clamart sur lequel vous pouvez aller. Du coup, envoyez-leur un message en proposant votre aide, quelle qu'elle soit. Et ils pourront vous expliquer comment faire pour leur venir en aide. Et on a contacté Archi Debout qui a relayé aussi on les nos adore. Problèmes architecturaux de Clamart et qui ont relayé notamment les publications du collectif Stop Une Belle, c'est le nom du stade Une Belle, donc qui est un des collectifs, le collectif qui lutte contre le projet de stade délirant là, du Jeux Olympiques. Là. Et en fait, ce qui est important demain, c'est qu'il y a un tract commun des différents collectifs qui se sont créés ces derniers mois à Clamart, chacun contre un projet de la mairie. Et là, il y a un tract commun qui a été fait par ces collectifs. Alors là, ce n'est pas Nuit Debout Clamart, c'est les collectifs d'habitants. Bon, on a aidé à ce que les contacts se fassent, mais les collectifs d'habitants font un tract commun. Aussi bien la cité qui va être détruite, des gens de la cité qui vont être détruites, que des quartiers comme la gare ou le centre-ville de Clamart où il y a le stade, qui sont des quartiers, je dirais, plus bourgeois, mais où les gens, enfin, ils sont tous remontés contre le maire ensemble, quoi. C'est important. Du coup, j'ai une question qui me vient, parce que moi, je m'implique pas beaucoup dans ma vie de quartier, par exemple, les conseils municipaux. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des sièges au conseil municipal qui sont quand même de gauche, qui, par exemple, peuvent s'insurger contre ces choses-là? Est-ce que vous avez un calendrier clair, accessible, où vous pouvez savoir quelles sont les choses qui vont être votées quand elles sont un petit peu sensibles ou pas? Alors, pour te dire, oui, il y a des... donc dans le conseil municipal de Clamart, donc il y a 9 élus d'opposition, dont 2 qui étaient sur une liste qu'on connaît bien, parce qu'on était dessus aussi, qui s'appelle Clamart Citoyenne, et donc qui rassemblait donc des gens PG, de gauche, pas PS, écologiste, etc. Donc c'est cette liste à 2 élus. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est très difficile, d'autant qu'il n'y a pas de calendrier préétabli et que le nouveau maire ne fait qu'une réunion par trimestre. Ça, c'est scandaleux qu'il n'y ait pas de calendrier préétabli. C'est-à-dire que les citoyens ne puissent pas savoir ce qui va être voté pour leur ville. C'est ça. Mais c'est ça qu'il faut réclamer aussi. Et les conseils municipaux ont lieu dans la journée. Ils ont lieu à 9h du matin. Personne, tous les gens qui travaillent peuvent pas venir, évidemment. Il n'y a que les retraités, donc c'est la clientèle du maire. Et les documents sont fournis au dernier moment, bien évidemment, pour que... Non, mais c'est les stratégies d'avocat, de la défense en général. On vous file les pièces au dernier moment, on vous envoie 800 pages, comme ça vous n'avez pas le temps de les bosser. Minimum légal, une réunion de conseil municipal par trimestre, c'est le minimum légal. Et la formation est reçue par les élus 5 jours avant, qui est le minimum légal donc de délai. Voilà. Et puis les commissions municipales de préparation du conseil municipal ont lieu la veille du conseil municipal, ce qui est complètement délirant. Et maintenant, donc depuis l'année dernière, les conseils municipaux ont lieu à 9h30 le matin, ce qui fait que aussi bien les élus qui n'ont pas, des crédits d'heures, c'est très difficile pour eux vis-à-vis de leur employeur. Et de toute façon, il n'y a pas le temps d'étudier. Mais bien sûr. Sérieusement. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à réfléchir différemment déjà depuis le début. C'est-à-dire qu'avant, on se disait on va se réunir, on va manifester, on va dire qu'on n'est pas d'accord. Aujourd'hui, on commence à réfléchir différemment, à se dire qu'est-ce qu'on peut leur demander concrètement. C'est-à-dire on n'est pas d'accord avec ce que vous allez faire. Et en plus, on trouve absolument injuste qu'on ne puisse pas participer au conseil municipal. Donc on va réclamer un siège au conseil municipal, on va réclamer une visibilité, une mise en ligne des documents un peu plus à l'avance. Mais ça permet d'avoir des arguments aussi autres qui ne sont pas simplement anti-système, mais de pouvoir essayer de récupérer un peu de pouvoir sur ce qui se passe dans les villes. Et en plus, si une ville gagne, les autres pourront le faire aussi. Donc, quelque part, ce sera un cheval de Troie intéressant pour tous. Eh bien, écoutez, moi, quand j'ai appris que Clamart était invité à Nuit Debout, donc ça a circulé. Et en fait, moi, je suis venu, je représente un collectif d'irréductibles clamartois.
Et donc, ils vont profiter de la journée, enfin de la fête de KM1 pour sortir un média d'un jour. Hein, donc, c'est un petit journal que j'ai amené, et donc qui a vocation à donner la parole aux Clamartois, puisque justement, on s'aperçoit que c'est difficile de nos jours de pouvoir s'exprimer. On n'a ni Radio Clamart, ni TV Clamart, malheureusement. Moi, je joue dans la rue. Pour moi, la musique, c'est pour faire rêver les gens et pour dire autre chose aussi. Et voilà, moi, je joue à ma sauce, c'est pas dans les normes, c'est pas comme ça, c'est ce que j'ai envie et quand je veux, voilà. Bonjour, on est de retour sur le plateau en direct. Je suis avec Armelle Dumoulin, une chanteuse. Bonjour Armelle. Bonjour. Alors tu travailles avec un groupe, tu m'as dit. Voilà, en fait, j'ai de passage ici et donc je me suis un peu fait alpaguer, c'est un plaisir d'être là. Et donc voilà, je suis chanteuse, j'écris mes chansons. Voilà, ce soir je suis avec une guitare sèche, normalement c'est une guitare électrique. Ouais. Et on tourne en duo avec un batteur. Ouais. Mais donc voilà, je suis dans le plus simple appareil, si on peut dire, voilà. Et si on veut entendre tes productions, on peut, elles sont sur YouTube, elles sont où ? Oui, bah, je viens de sortir un troisième album, on peut trouver sur Facebook, sur Deezer, enfin toutes les plateformes, ton etc. Facebook, c'est Armelle Dumoulin, donc mon nom civil et mon nom de scène à la fois. Voilà. Donc si on va sur Facebook, on tape Armelle Dumoulin, on peut voir tes vidéos. Voilà, on peut voir ma tête et aussi ce que je fais un peu, ouais. Et tu vas nous chanter ? Je vais vous chanter bien. Bien. Vas-y, chante bien. Voilà. L'école, bien. Vider les poches, bien. Bien appris, bien lu. Bien les fleurs, bien la douleur. Mais qui dira à celui-là, viens dans mes bras, comme ça. Tu peux un instant déserter le front, quoi. Il n'y a pas lieu d'aller s'offusquer de cela. Voilà. Bah là, bien. Va par là, puis par là, bien. Des lauriers, des regrets, bien, ça c'est fait. Bien la joie, bien la terreur. Mais qui dira à celui-là, bien. Comme ça, viens, mes chevaux seront tes chevaux le temps. Que le poids de l'ennui soit moins important. Voilà. Maison, bien. Travail dur, travail bien. Bien chéri, bien chéri, bien. Bien tout seul, bien se promène. Mais qui dira à celui-là, viens dans mes bras, comme ça. Viens comme un baume, viens comme un baume qui ne le soigne de rien. Voilà. Comment tu... T'avoir connu. Oui, c'est t'avoir connu.
t'avoir connu me console, de ne t'avoir plus là, et d'avoir bu tes paroles m'aide à vivre sans toi. La 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 la. Au début, je ne voyais qu'un point très loin, puis je t'aperçus arriver lentement dans l'étendue perdue de l'horizon. Désolé de mon plancher, t'avoir connu me console, de ne t'avoir plus là, et d'avoir bu tes paroles m'aide à vivre sans toi. La 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 la. On a su ce que veut dire aimer, jouer, puis tu disparus dans un éclair de sang éblouissant. Les gens et la lumière n'éclaira que tes affaires. T'avoir connu me console, de ne t'avoir plus là, et d'avoir bu tes paroles m'aide à vivre sans toi. La 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 la. On a vécu ce que certains appellent le bien, et puis tu t'es tu, et le silence fut comme un drap blanc violent. Hier, j'ai tremblé quand ton sosie m'a croisé. T'avoir connu me console, et d'avoir bu m'aide à vivre. T'avoir connu me console, de ne t'avoir plus là, et d'avoir bu tes paroles m'aide à vivre sans toi. La 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 la. Merci Armel. Ben, je vous en prie. Salut à todos las noches en pieste. Bonjour à toutes les nuits debout dans le monde. Je suis avec Ignacio et Aurora. Ils viennent d'Espagne. Et ils vont nous parler d'un monsieur qui est là, qui est un syndicaliste espagnol et qui est en prison. Et ça, là, c'est ça, si. Si, eso es. Mi compañera y yo, Aurora, y yo. Alors, hemos, sa femme estamos lui... aquí. Pour la libertad de Andrés Bodalo. Alors sa femme et lui sont ici pour la liberté d'Andrés Bodalo. ¿Quién es Andrés Bodalo? Andrés Bodalo es un joven sindicalista revolucionario. Que... Alors Andrés Bodalo est un syndicaliste révolutionnaire, un jeune syndicaliste révolutionnaire. Que pertenece al sindicato de trabajadores andaluces, un sindicato también revolucionario. Qui faisait partie du syndicat révolutionnaire andalou, un syndicat révolutionnaire tant, aussi. J'allais le dire en espagnol. ¿Qué quiere decir o qué significamos por un sindicato revolucionario? Alors, voilà ce que je veux dire par un syndicat révolutionnaire. Es una lucha sindical por los trabajadores, en este caso es un sindicato andaluz, por los trabajadores sobre todo del campo andaluz. J'ai pas t'as été trop long. Sobre todo es una lucha de trabajadores andaluces. C'est la lutte des travailleurs andalous. Y cuando decimos revolucionario queremos decir. Et quand tu veux dire révolutionnaire, voilà ce que je veux dire. Que se da prioridad a la lucha en las calles y en las plazas. C'est la priorité de la lutte sur les places et dans les rues. A causa de esta lucha de Andrés Bodalo, él ha sido injustamente hace unos meses condenado a 4 años de cárcel. Alors, se trata... Andrés Bodalo, il a été condamné
il y a un mois. À combien d'années de prison ? 4 ans de prison. À 4 ans de prison pour lutte syndicale. Entonces, sus compañeros del sindicato han iniciado una huelga de hambre. Alors, ses compagnons du syndicat ont organisé une lutte de soutien. Et esta huelga de hambre comenzó con una marcha desde un pueblo de Andalucía, un pequeño pueblo de Andalucía. Alors, cette marche, ce mouvement de soutien a commencé par une marche à partir d'un petit pays d'Andalousie, d'un petit village. Que se llama Jódar. De Jódar. La marcha fue de 300 kilómetros andando. Alors, ils ont marché pendant 13 000 kilómetros. 1300 kilómetros. 300 kilómetros de marcha. J'ai oublié un peu l'espagnol. Para llegar a Madrid el 15M de este año. Donc, ils sont allés jusqu'à Madrid et ils sont arrivés le 15 mai dernier. Y este mismo 15 de mayo comenzaron la huelga. Son por lo tanto 20 días de huelga de hambre para exigir la liberación de este preso político. Y le 15 mai, ils ont commencé la grève de la faim à Madrid. Et cette grève de la faim continue encore. Oui, son 20 días de huelga de hambre en estos momentos. Ça fait 20 jours que ces syndicalistes sont en grève de la faim à Madrid. ¿A dónde en Madrid? La huelga de hambre en Madrid se llaman itinerante. Primero estuvieron en Sol, en la Puerta del Sol. Después, au début, ils étaient Puerta del Sol, Puerta del Sol, là où il y avait les indignés, mais elle est itinérante, maintenant elle est ailleurs. Después han estado en el barrio de Lavapiés. Ensuite, au quartier de Lavapiés. Y ahora en otros barrios. Et maintenant, dans un autre quartier de Madrid. Comenzando por un punto de desconocimiento, no es conocido este hecho de lucha, se está conociendo cada vez más en España y la razón de ser que estemos aquí. J'ai pas tout compris là. Non, je comprends de todo. Este hecho ha sido poco conocido en España y gracias a esta huelga en España está siendo conocido este acto de revolución. Alors, c'était très peu connu en Espagne, mais grâce à cette marche et à cette grève de la faim, maintenant c'est très connu en Espagne. Y estamos aquí para darlo a conocer en este punto de la Plaza de la República. Et ils sont venus ici pour informer de ce mouvement en Espagne et de le fait que Andrés Bodalo est en prison. Y nuestra petición, nuestra exigencia aquí al gobierno de España es que quede liberado Andrés Bodalo de la cárcel. Alors, mais là, ils ont une pétition qui nous demande aussi de signer au gouvernement espagnol pour qu'il libère ce syndicaliste. ¿Se va ça ahora? ¿Qué quiere decir una cosa? Sí, animar mucho a nuestros compañeros que están en huelga de hambre, algunas personas incluso mayores, como Feliciana, mi amiga Feliciana, que lleva 20 días, casi 20 días, sin comer. Alors, elle pense beaucoup à ses amis qui sont en grève de la faim, entre autres à son amie Felicia, qui est depuis 25 jours sans manger. Oui. Voilà. Donc elle pense aussi à ça. Son amigos nuestros. Amigos nuestros, los que están llevando esta lucha por este compañero. Elle nous dit que c'est leurs amis qui sont en train de mener cette lutte pour ce compagnon qui est aussi leur ami. Por la liberación de Andrés Bodalo. Pour la libération de Andrés Bodalo. Et donc, c'est à venir à Paris. La pétition s'inscrit aussi pour les Français. Sí. Donc il y aura une pétition à signer. À donde se le puede coger la pétition? Sería en España. En España, pero en Francia. No, en Francia no hay. ¿Se le quiere hacer? Bueno, tendremos que ver la posibilidad, sí. Sí. Donc il voudrait qu'on crée aussi une pétition française pour l'envoyer en Espagne auprès du gouvernement espagnol. Muchas gracias, muchas gracias. De nada.
y muchas gracias a los compañeros que nos habéis permitido estar aquí en la noche en pie. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était Aurora et Ignacio de Madrid.